Cette vidéo de défourraillage par Jack sur. Eh, je vais pas vous le dire, je vous laisse deviner. Oh, mystère, mystère. Oui, alors je suis le seul à me connecter parce que j'ai eu un gros plantage. Donc c'est cool, en plus ça fait une petite intro. Et puis je vais pas devoir attendre que tout le monde télécharge là, avec leur PC en bois ou encore en train de DL du porno là, ou je sais pas, enfin bref. Hop, on va rentrer direct sur les games. J'ai pris un support Soraka que je joue en mode AP, mais parce que je la joue un petit peu bizarrement, mais bon, c'est entre elle et moi. On a un petit peu une vision un peu spéciale. Hop, tchou. Allez, c'est parti. Hop, pas le temps d'attendre. Donc, ouais, je joue support cette game là parce que je n'avais pas encore fait support, j'avais fait carry, j'avais fait ADAP, j'avais fait je sais plus trop quoi, j'avais fait off tank, il me manque plus qu'une vidéo avec un tank. Et là je me suis dit allez, support, je vais essayer de la gérer comme d'habitude. Bon, ça, Soraka je la gère plutôt bien, moi je la joue pas du tout avec le stuff conseillé, enfin bon c'est comme d'hab, moi je fais mes petits persos à moi, mais en général ça faille pas, donc j'aime pas à me plaindre, voilà. Oh, Annie Volubir, ça va être tendu, hein. Ça va être tendu du boule parce que ils ont beaucoup de contrôle, Volubir il va me faire peur, parce que moi je suis pas... Ah non, c'est pas Annie, c'est Tristana, oui. Ça mange. Alors je suis un très gros consommateur de mana, du sort de mana sur les ennemis en fait. C'est sûrement le sort que j'utilise le plus. Je monte pas du tout mon A en fait, appel de l'état, je ne le monte pas du tout, je le montrerai à la fin. Parce que voilà, je suis dans mon rôle de support, donc... Avec grâce. Je vais mettre la balise ici parce que je suis pas sûr qu'on va pousser éternellement. Par le pouvoir des étoiles. Mais te fais pas chier, Jace. C'est Jace ? Je reconnais jamais les personnes. Je suis allé. Tire des boules, mon gars, tire. Je suis là derrière, y'a Papa Mana qui est là. Pour la paix de l'esprit. Alors le gros problème de Soraka, moi je trouve, c'est ses cooldowns de... je sais pas pourquoi ils ont pas osé nous sauter dessus, ils auraient pu, mais... C'est cooldown sur les sorts. Avant, elle lançait des sorts qui étaient beaucoup plus faibles que ça. C'est la réalité. Mais elle les claquait quand même beaucoup plus souvent. Là, commencer avec quasiment 20 secondes ouais, sur un heal, c'est juste à proprement horrible quoi. Enfin, moi je trouve que c'est horrible. Ils ont un petit peu tué le support comme ça. C'est vrai que maintenant, en fait, ça donne l'obligation de savoir quand placer ses sorts et pourquoi les placer, quoi. Le monde connaisse l'équilibre. On va pas les claquer n'importe où, n'importe comment, mais néanmoins, ça en fait que ça devient un perso, je trouve, qui est plus aussi utile en teamfight, quoi. Ça devient difficile de tenir toute une team... Oh merde. Ah, je suis désolé, mais là... Ah merde. Ouais, il était en bras dans tous les cas. Ouais, un bon petit gank. Là, malheureusement, je ne pouvais rien faire du tout. Ils connaîtront la sérénité. Soignez et protégez. Hop. Ah oui, en plus on joue qu'à 4. Ok. Avec dans ces conditions, c'est un petit peu difficile malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, on va le gérer. Et alors là, c'est là où vous me voyez partir sur du stuff de n'importe quoi. Hop, je reprends une balise. Je vais faire la brillance pour récolter des tutunes. Parce que après, je vais pouvoir la transformer en
puissance en pépette, quoi. En bref, c'est voilà. Je fais un stuff AP parce que je pars du principe qu'un support c'est bien, d'accord. Ok, faut que c'est des trucs, blablabla. Survivabilité OZEF, et puis ça se jouera sur skill. Et ce qui est quand même important, c'est les heals, quoi. Sachant que ouais, déjà un ratio de merde, alors je maximise un des cooldowns de merde et un ratio pas terrible. Alors je cooldown son, je maximise l'AP et ses cooldowns histoire qu'elle puisse claquer ses sorts beaucoup plus rapidement. Oui. C'est gentil, je te prends quelques bières quand même parce que j'ai aussi besoin de thunes, mon gars. Allez, viens par là. Leur cœur est plein de haine. Oh, il va me saouler. Allez, tu pourrais me laisser quand même quelques bières, bordel là. Où a-t-on besoin de moi? Bon, faut pas oublier, il a quand même deux potions de vie, le Volubière, en plus de son passif qui est quand même, qui fait quand même méchamment mal. Là, on est très très loin de pouvoir se le faire. Faudrait en fait qu'on active son passif, histoire de l'obliger à utiliser ses potions après. Un allié a été tué. Je suis à l'écoute. Bon, j'aurais peut-être pas dû claquer mon soin, mais mon fatigue, mais bon, comme ça c'est fait. Chaque vie est sacrée. Régnez la foudre. Ouais, alors je suis désolé, c'est Kyle ou... Non, c'est Jace, voilà. Je suis désolé, Jace, mais c'est tendu de te tenir face à deux bourrins comme ça. Surtout que Soraka, je trouve qu'au début, elle envoie pas du lourd, lourd. Après, c'est vrai qu'avec un petit peu de stuff, tu peux rapidement te faire plaisir. Le monde connaisse. Est-ce que j'ai assez pour ma brillance pas encore? C'est pas une brillance, c'est une lame de je sais pas trop quoi d'ailleurs. C'est la bonne pioche de Cage. Ouais. Hop. Pour la paix de l'esprit. Eh merde! Ah, elle veut pas me laisser tomber. Ah oh, putain d'embrasse de merde, j'y crois pas, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Bon, faut que je me prenne ma paire de bottes parce que putain j'ai pas assez, je suis pas assez rapide, je suis pas assez ouais je suis un peu tout seul aussi. Ouais, j'ai un peu joué à la con quoi. C'est vrai qu'entre le Volubir qui peut foncer en avant et la Tristana qui pump, ça devient très difficile de... Ouais, y a des trucs chelous quand même des fois. Perso qui balance d'autres en arrière, qui finissent par... Enfin bon, bref. C'est pas grave. Chaque pas est un nouveau voyage. Je vais essayer de me la jouer un petit peu plus support et puis un petit peu moins casse-cou aussi. Où a-t-on besoin? C'est pas mon rôle. Un allié a été tué. Je vois que notre Jace, ouais. Bon, on limite la casse pour le moment, un mort chacun, c'est pas non plus... Ça serait cool que qu'on arrête quoi, tout simplement. Accélération. Un avocateur a quitté la partie. Non, sans rire. Vous vous arrêterez là. Moi, je sens qu'ils vont. Le Voli, je le vois bien passer par la rivière. Non. Soigné et protégé. Puis je préférais l'ancien système où elle se rendait la moitié de ses points de mana en fait, à chaque fois qu'elle rendait du mana à quelqu'un, je trouvais ça utile, enfin ça permettait d'avoir une Soraka qui avait jamais de problème de mana quoi. J'avais aussi l'impression que qu'en compensation forcément
Le sort de soin a été plus gourmand puisqu'il me fallait constamment que je rende du mana à quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais voilà, je préférais quand même. Ah bah dis donc, il va avoir du mal. Enfin c'est pas dit mais... J'ai trouvé ma voie. Soyons en paix. Allez. Bon, pour le moment, c'est vraiment très moyen. Un ennemi a été tué. J'espère que le Xingzhao va pas bouleter. Ah, il a bien joué là. Puis les autres, je sais pas. Des fois, ils font des actions, on voit qu'ils sont assez gourmands. Mais d'autres fois, ils sont frileux, ils osent pas y aller. Alors que je pense qu'il y avait facilement un kill à faire. Je pense que soit ils jouent en team. Volubir a eu peur pour la. Putain, c'est pas passé loin ce foutu passif de merde, comme je vous disais, c'est vraiment le passif qui fait tout quoi. Je suis à l'écoute. Eh non, Tristana. C'est con, je trouve que ça s'est vraiment pas passé ouais, c'est pas passé à grand chose quoi. Dommage. Dommage. La sérénité. Non, c'est vrai que Volubir Tristana, ça reste quand même une. Enfin bon, on a quand même un 9 tank avec. Enfin pour moi, je le prends comme un 9 tank et je joue comme ça. Volubir, et c'est un personnage qui joue exclusivement sur skill. Et qui permet de faire vraiment beaucoup de choses s'il est très bien joué et qui requiert pas un gros stuff de DPS quoi, voilà, on peut s'en sortir très facilement et surtout se faire vraiment plaisir. Hop, et puis après je vais prendre mes bottes de lucidité parce que les cooldowns c'est tout dans le stuff de Soraka. Réduire son heal de 19 à 13 secondes ou 12 secondes, je sais plus, ça fait juste la différence quoi. Alors ça permet pas de lancer deux heals au lieu d'un, mais 19 secondes c'est juste absolument impossible. Ils ont voulu le créer comme ça, d'un autre côté plus personne ne joue maintenant comme ça. Ils ont voulu faire un personnage qui voilà, qui claquerait un heal, qui serait super puissant. Le problème c'est que les heals sont pas puissants du tout, ils ont un ratio de merde. Et puis que elles viennent, elles claquent un heal super important dans la team, mais que ça soit genre plus difficile, qu'il faille pas spammer, etc. Mais ça c'est juste un ramassis de conneries. Avant on spammait comme des porcs, avec Soraka et ça marchait très bien quoi. Pouvoir des étoiles. Le problème c'est que enfin il s'est un petit peu fait tous les sbires quand même et il a un stuff pas terrible hein, le Jace hein. Putain, juste un phage il doit économiser je pense, mais quand même c'est pas glorieux sachant que les autres en face ils ont leur BF et tout, ils ont pas assis quasiment autant de sbires quoi. Ouais. C'est vrai qu'un BF ça coûte autant qu'un phage. Je vous aiderai. Le Xingzhao remonte tout doucement à la pente. Avec en tout cas, cette partie est vraiment tendue. À mon goût. J'ai trouvé ma voie. Ah,
Jace. Ah, dommage, il a pas de vie, quoi. Ah, et puis il a plus de mana. Et merde, c'est con, là, on les avait. Faut que je te rende du mana. Faut que tu sois plus utile, voilà. Faut que je te remonte ta life et ton mana. Voilà. Voilà, full mana. C'est bon ça, c'est bon. Un ennemi a été tué. Je suis à l'écoute. Oh, par contre, il n'y a pas une boule qu'il a réussi à placer correctement. Soigner et protéger. Tu peux en sauce pas. Régner la foudre. Non mec, qu'est-ce t'as foutu quoi, il était sur ma tronche. Oh là là, il avait plus son passif, il était mort. Oh mon dieu. Où a-t-on besoin de moi? Accélération. Chaque pas est un nouveau voyage. Bah alors, J'ai trouvé ma voie. Ah, c'est tendu, en tout cas c'est tendu. J'aime pas me retrouver contre des persos comme ça. Pour la paix de l'esprit. En tout cas, top, j'ai l'impression que la vie elle fait face. Notre fils lui se feed, ça c'est cool parce qu'un fils quand c'est feedé, en plus c'est un peu le perso du moment, c'est marrant de voir ça. La vie a plus de life, mais bon, pas besoin de claquer mon mana, elle est déjà à la base. Avec grâce. Allez, je vais remonter sur le Xing Zhao. Ah, y'a moyen. Oh, y'a plus que moyen même. Ah oui. Nice, GG. Allez, viens, fils. Bien joué, c'était une pure action. Notre tourelle a été détruite. Vive à y passer. Hein? J'aurais dû claquer mon heal avant qu'elle se prenne l'embrase. J'étais pas sûr que. Dommage, et tant pis, je vais dire. Où a-t-on besoin de moi? Carnage. Un allié a été tué. Oh, et puis merde. Un ennemi a été tué. J'ai trouvé ma voie. Bon, par contre, ça assure pas trop. Enfin, on n'a pas eu beaucoup d'aide de la part des autres coéquipiers sur cette game, ça qui est un peu dommage. Je vous aide. Je suis à l'écoute. Votre tourelle a été détruite. Ouais, bon. Voilà, merci Jace, merci de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est que cette équipe pense qu'à sa gueule. Non, je déconne, mais c'est vrai qu'on gank, il y a eu des ganks mid, Bon, après, on n'avait pas de jungler, donc forcément, c'est un peu difficile dans ces conditions, mais voilà, ça aurait manqué d'un petit gank bot. Je pense qu'on était à pas grand chose de pouvoir les gérer. Je pense qu'avec un gank, ça passait, mais tranquille, honnêtement.
Il n'y avait pas de souci. Hop, j'ai plus assez, je vais économiser pour ma grosse baguette. Et ouais, moi je la joue comme ça. Sur AK, je prends cèpe de Riley, coiffe de Rabadon, la Graal impie. Et pour finir, je transforme ça en ombre jumelle et ma pierre philosophale en songe de Shurelia. Voilà comment je la joue. Alors je sais, c'est pas forcément le stuff support de base, blablabla, on est d'accord, mais moi j'aime jouer mon perso de la façon que je trouve la meilleure pour moi, tout simplement, déjà. Et puis moi je trouve que ça marche foutrement bien. Je claque des heals qui sont vraiment pas négligeables. Vous allez voir si j'arrive à me full stuff, j'arrive à la fin à un heal où je remonte un Anunu en mode tank en un coup, en un demi-coup quoi. Enfin peut-être pas en un coup, mais voilà, avec un sort. Et bah, c'est comme ça que je joue, c'est comme ça que j'imagine un support. Un healer qui balance des heals toutes les 20 secondes et qui en plus des heals de merde, pour moi c'est pas un support. Un support pour moi c'est pas quelqu'un qui est juste chargé de balancer qui est juste chargé de balancer des foutues balises. Je veux pas être méchant, mais moi, un support, c'est quelqu'un qui joue son perso. Voilà, si vous avez un healer, il faut le jouer en healer. Si vous avez un... Bref, un truc du genre, quoi. Bonne initiative, j'ai... Ah, merde, il y a le Kazé qui est derrière. Allez, viens sur ma tronche, là. Oui, viens sur ma tronche. Mais c'est quoi, ce... Mais c'est quoi, ça? 503! Oh là 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 là! Oh mon dieu! Ce viol assisté! Ouais, il est un petit peu fidèle, le bâtardo là. Alors. Donc on en était où? Ma grosse baguette, elle est où? Hop! Après, je le finirai après. Je vais aller sur un sceptre de Riley directement. Malheureusement, je pense que vous allez voir ma première défaite enregistrée sur League of Legends. Ouais, ils nous ont un petit peu surclassé sur toutes les lignes, même si c'est pas catastrophique et que sur un retournement de situation, tout est possible, vraiment. J'ai cette petite impression qui fait que, voilà, c'est... merde, merde, merde. Qui fait que voilà, c'est tendu, c'est serré, c'est absolument pas. Ah merde, 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 viens par là, viens par là, viens par là, viens par là, viens par là. Allez, cours maintenant, cours, 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 Avec cours. grâce. Oh et merde quoi, le casique derrière, mais j'y crois pas. Oh, voilà, c'est ce que je vous disais en fait, c'est. Le casique est uber fidé en face quoi. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu, cette viol assistée, c'est hallucinant. Un BF, un brutaliseur, ça fait très mal, quoi. Ça fait très très mal. Quand on est que level 13. Bon, bah, c'est tout un tas de trucs qui ont fait que cette partie, elle a fail. Hein. Pour moi, c'est vraiment le jungler qui s'est pointé en retard. Le Kha'Zix en face qui s'est vraiment fait plaisir. Et puis, même si Warwick a pas été présent à fond sur notre ligne, il est quand même venu deux fois nous gank. Pour moi, ça a été vraiment la grosse différence. On est resté sur une team plutôt figée. Là, le Xingzhao, il va encore se faire pougnéter. Ah bah non, pour moi, il kill. Hein. J'ai trouvé ma voie. On va essayer, allez, ça va être genre the dernière action, le baroud d'honneur qui va péter à mon avis comme. Oh putain! J'aurais peut-être pas dû claquer mon ulti là, mais c'était lui au moins quoi. Qui a besoin de mana Jace? Ah merde, merde. Oh! Oh, GG le Kha'Zix. Ah merde, merde, merde. Ah non, le Kha'Zix, non, non, on l'a pas eu. Bien joué, tout le monde. Je crois que j'ai claqué mon heal, mais vraiment au moment où il fallait quoi. Tendu, tendu, tendu. Oh là 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 là.
Syndra, c'est un perso que je trouve assez difficile à jouer, mais qui, avec des bons enchaînements, peut vraiment tellement faire mal. J'attends que son embrasse finisse. Voilà, tiens. Et tiens. Allez, on back. Ça sert à rien de leur filer des kills. Ah, c'est mon téléphone, ne vous en faites pas, il va finir par s'arrêter. Je vais fermer la porte, comme ça on l'entendra un petit peu moins. Oh bah dites donc, vous êtes des chanceux, vous avez pu vous-même avoir un petit peu de mon intimité. C'est en direct de chez Jack. Prochaine vidéo, je vous montre comment je fais un crumble. Non, je déconne. Oh, pourquoi pas, après tout. Alors là, je suis parti sur une ceinture du géant parce que je me fais trop exploser. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment un problème de. Ça véritablement un problème de. Merde. De puissance pour le moment. Il me manque. Bon, c'est sûr que je cracherai pas sur. Sur un petit peu de patate, mais c'est pas ce qui me manque principalement. Je pense que c'est plutôt de la survivabilité en teamfight parce que plus je vis longtemps et plus je peux claquer mes sorts. Tiens, bouffe-toi. Bon, je sens que je vais devoir y passer et acheter des wards parce que sinon ils vont me faire des caca. Hop. Et hop. Donc là, malheureusement, j'ai pas encore. Je suis qu'à 19% de réduction des cooldowns. C'est pour ça que je. En fait, je vais aller sur mon. Je vais aller sur mon Graal. Tout simplement. Parce que 15% de cooldown, c'est déjà pas mal. Et puis. J'y arriverai pas sinon. Mes sorts sont toujours trop lents, je crois. Tiens, bouffe. Vous vous arrêtez. Je vais essayer de faire un petit. Non, je vais aller sur le codex néphrétique et après je vais terminer mon sceptre de Riley. On va le faire comme ça parce que. Il me manque un peu de tout là. Je me suis pas trop spécialisé pour le moment. Enfin, j'ai vraiment un stuff de merde. J'ai pas beaucoup d'assists. Des kills, n'en parlons pas, mais c'est normal. Mais voilà, je maximise pas les assists. Faut que je sois plus présent en teamfight. J'ai fait juste une partie avec Soraka juste avant. J'ai terminé avec 4 kills, 4 morts et une quarantaine d'assists. Je pense que j'ai claqué mon soin au bon moment. Non, 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 non. Ah putain, désolé, mais voilà quoi. Encore une fois, les cooldowns, ça fait tout quoi. Il faut que je passe, il faut que je lui claque un heal. Mais merde, je me suis planté. Bouge, vie. Tiens, défaut d'avoir de la lie. Non, mais Volubien ne fait pas des damages de ouf, c'est juste que vous aviez pas de vie, qu'il avait ses 4 sticks, et qu'il vous a mis sec, voilà, c'est tout. Putain, claquer un heal pour elle, quoi. Oh non, t'aurais dû le finir, fils, t'aurais dû le finir. T'aurais pas dû le laisser s'en aller comme ça. T'aurais pas dû l'inviter, mec. Un petit heal, merde, je pensais que ça allait. Allez, tout le monde back, ça sert à rien de, sur une belle action comme ça, de rendre du mana, de leur filer plus de, enfin de leur rendre du mana, je suis en train de penser à mon mana que je trouve assez faible. C'est vrai qu'en plein teamfight il me manque, j'ai un petit problème, non je me disais, pas besoin de leur filer, plus de kills, on a fait une belle action, on a régalisé les choses en termes de kills, enfin voilà, ils ont toujours un petit peu d'avance, mais ça reste plus qu'appréciable. Et on a fait le Drake. En plus, on a fait le Drake. Génial. Donc là, je pense que je vais finir ma coiffe de Rabadon. Il faut vraiment que
j'ai de la puissance et je trouve qu'au bout de 31 minutes de jeu, je suis faible en puissance. Alors oui, ce n'est pas un personnage AP, mais c'est comme ça que je joue et puis c'est tout. Oh yeah, mange ton silence en plein ulti. Oh oui, oh oui. Alors ça, pour moi, ça fait vraiment un des sorts... C'est vraiment pour moi un des meilleurs sorts. Oh putain, Volubir et Kha'Zix derrière. Volubir et Kha'Zix. Génial. Qui a besoin de life? Qui a besoin de life? Hop. Bah écoutez, je crois qu'on est pas loin d'un forfait Lace. Hein. Alors là, sans vouloir me la péter, je suis pas plus fier. Ah non, mais voilà, donc... Si jamais vous voulez troller sur ma façon de jouer Soraka, regardez la partie en entier, regardez cette teamfight, pour moi voilà, c'est quand je claque un heal et que je remonte une vie d'un quart de point de vie alors que c'est un tank et que c'est la Soraka, voilà quoi. Ouais, je les laisse faire Mumuse. Jayce vient par là, le fils il a besoin de life. En fait, je le joue un peu comme on peut jouer un prêtre, voilà, ou un druide sur World of Warcraft, un healer sur un MMO. C'est quelqu'un qui lance ses sorts rapidement, mais qui surtout lance ses sorts lance des gros sorts. Moi, je le prends comme ça. Je ne peux pas malheureusement faire que ses sorts deviennent deux fois plus rapides. C'est pas possible. Donc, il faut que je compense par autre chose. Et cette autre chose, moi, ça me semble. Ouais, ça me semble un peu présomptueux là, on n'a pas un gros DPS et ils sont juste à côté. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. C'était une action débile. Que le monde connaisse l'équilibre. Allez, c'est maintenant ou jamais. Allez, vie, engage. Et voilà le travail, c'est juste magnifique, on a fait une action de malade en fait. La vie a quasiment fait tout le travail. Putain, c'est... Et voilà, ça se finit sur un surrun. Une pure partie, une... pur retournement de situation parce que j'y croyais pas. Je crois que de toutes celles que j'ai fait à chaque fois, je l'ai jamais cru, mais là pour moi ça a été vraiment la meilleure partie, le meilleur retournement de situation. Il a juste fallu attendre un petit peu que la vie puisse avoir son stuff. Elle faisait des engages de ouf, complètement merveilleux. Ça a été pour moi le perso qui a vraiment retourné la game avec une petite Soraka qui jouait particulièrement bien support. Enfin bref, donc on se quitte sur cette magnifique victoire. Je vous jure, regardez mon historique si vous voulez, je n'ai que des victoires, ce n'est pas ma faute, je ne choisis pas les parties que je veux enregistrer, je vous jure, je les prends au hasard. Après je fais d'autres parties entre qui sont en général pas mal de victoires. En ce moment je suis en bonne veine, donc bon. Eh ben, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle partie de défouraillage sur LoL ou sur autre chose, d'ailleurs, sur plein d'autres jeux. N'hésitez pas à regarder mes présentations, j'en sors régulièrement sur un petit peu tout un tas de jeux. Et puis voilà, eh ben, écoutez, likez, commentez, aimez-moi, faites-moi des bisous, là, des... un petit peu partout. Et je vous les rendrai, ou peut-être pas, ça dépend, si vous habitez trop loin de chez moi, je pourrais pas venir vous rendre vos... Bref, on se quitte là-dessus, allez, salut tout le monde!